Salut, salut, salut la famille. C'est encore moi, Rossi Bejo. J'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo. La route, vraiment, ils sont là, goudronnés encore. Et encore, le forêt des Bankos, ils sont là, protégés. Entourage, ils sont là, mettre des briques pour entourer vraiment le forêt des Bankos. Entre Abobo, Yobougon, vers la prison civile. Parce que Banco, forêt Banco n'était pas bien protégé, mais cette année, ils sont là, protégés ça. Donc, franchement, et puis ils ont arrangé aussi la voie. Parce que là, souvent, il y avait des coupées de route la nuit, mais et là, ils sont là bien faits. Il ne faudrait pas que coupées de route arrivent là. Et puis avant, il y avait trop d'accidents aussi. Parce que la route n'était pas bien praticable. Mais maintenant, franchement, vous-même, vous allez voir la vidéo et vous allez apprécier. Je vous laisse visionner la vidéo et après, on va décortiquer ça un peu. Papa a d'autres travails, franchement. Regardons la vidéo. Ça travaille pas tous, on dimanche. Hein. Voici échanger d'un doutri. On dit président qui part, le mécanicien des pays. Voilà ça. Un doutri. Voilà ça, la forêt du Banco. Quelle forêt! Voilà ça. Plus de 30 km carrés en pleine capitale. On met le clôture dessus. Voilà ça même. Kaya, à 120. Hein. Voilà ça, Anaconda même. Kaya, quoi, devant tout le monde. Voilà, autoroute encore sur son côté. On n'est pas de jolis pays. À propos, son ménager à Yobougon, voilà ça. On dit président Guépa, le mécano des présidents. Arrange le pays là. On dit pays là en santé. Devant tout le monde, vivant. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire? Tu as tout à fait raison. Moi-même, tu comprends. Tu ne veux pas voir les Ivoiriens là, tout ça là, tu as raison, c'est ton droit. Mais la Côte d'Ivoire, c'est bleu blanc, là, c'est jalousie. Côte d'Ivoire, comme président de la CSI, ça, c'est la haine. C'est la mort de la haine. La Côte d'Ivoire, tout en avant. On a plus de 8000 km entre nous et vous. Ça chauffe pas. On dit pays là a été vérifié avant qu'on monte dedans. Kabila, on a mis plein dedans. On est trop en avant. Côte d'Ivoire, c'est le dépassement actuellement. Je ne vais pas comprendre toutes mes paroles. Il y a un coup dedans. C'est moi-même le coup. Voici échanger son nouveau-né. Ils sont là dans le biberon comme ça. Vous voyez, ils sont là dans le biberon. Santé. Il est mécanicien. Mécanicien. On dit président Guépa. L'animal n'est qu'un gros comment comment. Si tu veux, il faut rentrer dans le tunnel. Tu as venu sur son territoire, il va t'attraper. Voilà ça. Devant tout le monde, vivant même qui est là. Voilà ça. Construction partout. Pays là en santé, ça. Papa, faut arranger pays là, on quitte ici. Il n'y a pas de temps. On dit alors, vérifier pays là avant de monter dedans. Cabri en plein. Santé, santé. Voilà ça. Tout ça là, c'est les usines. Tout. Mignon, mignon. Et le travail? Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça avance, ça avance, ça avance. Et dit, la fois dernière, moi, parti à Bondougou, il n'y avait pas ça là, un autre ici? Oui, oui, on a commencé ça, mais ça ne vaut pas 2 mois. 2 mois? Comment ça? Non, ça avance, ça avance. On travaille chaque jour, on dit mécanicien. Même dimanche. On travaille chaque jour, on travaille. Mignon, mignon. Là, comment ça travaille? On dit le mécanicien des pays. En tout cas, développement national des pays. Là, comment ça est? Il fait chaud un peu encore. Voilà ça, un autre échangeur, son nouveau-né. Ils sont là dans le biberon même, devant tout le monde. Joli comme ça. Et pays là en santé, ça. Applaudissez vos pays là. Applaudissez vos pays là. Joli pays. Voilà ça. Ça travaille de partout. Là, joli échangeur. Là, comment ça est? Il y a le petit ça. Au ras du Banco, hein. En pleine capitale, 30 km carrés. Là, pour tu là. Ça s'en va seulement. Il continue seulement. Il pose pas quelqu'un même. Il y a des pays qui ils voient des travaux comme ça, ils ont mal au cœur. Oh putain, c'est un truc, c'est simple. C'est comme les dirigeants, au lieu de prendre l'argent pour mettre dans ta poche, tu prends, tu mets dans le pays pour arranger ton pays. C'est comme ça, on fait ça, c'est pas sorcier. C'est pas pour dire Dieu qui est en haut pour venir arranger. Oh, au lieu de mettre l'argent dans la poche là, tu prends, tu mets dans ton pays joli comme ça, ça devient joli comme la Côte d'Ivoire. Voilà ça, devant tout le monde. Santé, santé. On a vérifié le pays là avant de monter. Cabrino, on a mis plein. Allez là, on est en avant. Voici l'autre côté, c'est la zone industrielle. Gaga usine. Dans les bailleurs de fond. Vos frères qui sont de l'autre côté, voilà. Voilà l'espace, usine. Voilà ça, joli comme ça. Voici la forêt du Banco, même son procureur, même qui est là derrière moi, même. Son 30 km carrés en plein capital. Voilà ça, même devant nous, tous encore. On dit joli pays. On dit papa, Ado. Pays là, vérifié. Là, comment ça travaille ici? Allez. On dit mécanicien des pays. Il va l'arranger là-bas encore. Si ton pays a un problème, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Un autre. Ça ne chauffe pas. Côte d'Ivoire, là ça. On dit échangeur. Voilà ça, son nouveau-né. Ils sont là dans le biberon, devant tout le monde. Joli pays. On dit le mécanicien du pays. Vivre qu'un ou tablater ou changer tout. Regardez comment les voitures sont coincées, coincées. Non, c'est normal de faire Anaconda sur son un côté. Là, comme ça, là, c'est vent, vent. Ils rentrent à la maison. Voilà ça, devant tout le monde. On dit le mécanicien. On dit Gaïa autoroute en
Anaconda, voilà ça encore, devant tout le monde. Voilà, forêt du Bongo clôture sur lui. Anaconda à côté de lui encore. Santé, santé, on dit le mécano des présidents, voilà ça. Président des poids lourds, devant tout le monde. Et les gens, quand ils voient tout ça, les cœurs, les cheveux, ils sont en Côte d'Ivoire. Bon, chez vous, ça n'a quel pays. Là, vous serez à l'aise. On dit santé, santé. On a le droit de faire ça. Chez le pays, devant tout le monde. Ils sont tous ces côtés santé. Maintenant, il y a Goudron, voilà, il y a Goudron. Il y a Goudron, c'est Mamba quoi, mais on doit faire Anaconda. Comme d'habitude. Tu vois, non? Et de ton pays est gâté comment faut rentrer en contact avec papa ado, voilà ça même. Il va mettre l'amour dedans, ton propre pays, toi même tu vas croiser ton pays, tu vas dire non, c'est pas ça, c'est pas mon pays. Tellement il va mettre l'amour dedans, voilà ça même. Il y a Goudron, hein, il y a Goudron. Mais on fait son Gaïa, son Anaconda, son deux côtés, son électrique deux côtés encore courant. Santé. Rime au président de l'Assemblée nationale. Vous, mais vous avez vu la vidéo, vous avez vu les travaux qui se passent, si la voie entre Abobo et Yopougon. Franchement, c'est ça, je vous montre toujours que Ado n'est pas camarade de quelqu'un. Ado n'est pas camarade de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Les gens parlent mal de lui. Les gens disent des conneries sur lui. Mais est-ce que vous avez vu Ado en train de parler? Ou Ado en train de répondre aux gens? Non. Ou Ado fait mythique et puis il est en train de parler en parabole? Non. Lui, il ne fait pas ça parce que ça, là, c'est pour les enfants. Réseaux sociaux, c'est maintenant, nous, on a connu réseaux sociaux. Sinon, eux, à leur temps, là, avant réseaux sociaux, c'était déjà en Europe. Eux, ils vivaient en Europe, ils faisaient des trucs. Bien avant que nous, maintenant, c'est venu. Maintenant, Facebook nous a vraiment économisé. À cause de ça, nous tous, on est agités, à dire de n'importe quoi. Quelqu'un même que vous ne connaissez pas, vous l'insultez. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est en train de faire pour ton pays. Quand on dit ton pays, c'est la Côte d'Ivoire. Tu es à l'étranger, tu n'es pas à l'étranger. Mais si quelqu'un même vient, il se lève, il vient chez toi, tu vas lui montrer les coins qui sont jolis. C'est comme ça, d'autres pays développés, même qui ne sont pas développés là, c'est comme ça qu'ils font. Même Dubaï, que vous dites Dubaï, il y a toujours quartier précaire. Mais est-ce que quand vous arrivez là, on vous cherche à l'aéroport, juste quand ils vont vous montrer les endroits qui sont classe, qui sont luxueux, c'est tout. Sinon, il y a des bidonvilles même à Dubaï. Mais c'est bon, pas vous montrer. Même en Europe, même, il y a toujours bidonville là-bas. Mais quand vous partez faire vos touristes là, c'est des jolis, jolis coins, on vous montre. C'est comme ça la vie est. Donc, si quelqu'un est en train de travailler, il est en train de développer le pays, pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi vraiment ne pas accepter ses idées à travers le développement de notre pays? C'est à nous de le motiver. Et aujourd'hui, hier, je dormais, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je laisse mon numéro à chaque fois là. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon WhatsApp. Il me dit non, que oui, voici, il a fait des coups d'État qui se passent, les 49 personnes qu'ils ont attrapées, arrêtées à l'aéroport de Bamako. Moi, je lui ai dit, mais toi-même, toi, quand tu réfléchis, est-ce que tu trouves ça normal? Un moment où il y avait les djihadistes, où les djihadistes toujours, sont toujours là-bas, les Boko Haram sont toujours au Mali, eux, ils ont demandé de l'aide. À la Côte d'Ivoire, non. Nous-mêmes, on allait les soutenir. Même tout dernier, à France 24, avant-hier ou quand là même, il y a eu 4 morts. 4 morts, les Ivoiriens qui sont tombés au front là-bas. 4 morts. Vous pensez que ceux qui sont morts là-bas, là, eux n'ont pas de famille au pays où ben, ils ont les familles, ils ont les charges à nourrir. Mais à cause de vos putains de merde, Boko Haram, etc., etc., eux, ils sont allés mourir là-bas. Coup d'État. Quand quelqu'un fait coup d'État, là, il passe par l'aéroport ou bien. Au moins, s'il y avait 3 pays qui nous séparaient, là, on peut dire, bon, on va comprendre. Mais, nous, voyez, Mali, voici Côte d'Ivoire, on est collés. Il n'y a pas quelque chose qui nous sépare, c'est pas l'autre qui nous sépare. On est collés. Si on fait coup d'État, là, si les big coup d'État, 49 personnes vont aller faire coup d'État. Ah, vous aussi. Et puis, comment vous partez faire coup d'État, vous n'êtes pas armé. Quand quelqu'un fait coup d'État, là, il ne peut pas crier. Ils ne portent jamais treillis. C'est ça que d'autres ne comprennent pas. Moi, il m'a fait coup d'état, il m'a attaqué, il portait treillis, et puis il est passé à l'aéroport. Pour dire oui, que moi, il vient chez toi pour faire coup d'état, je vais porter treillis. Il y a des gens même qui sont stupides dans la tête. Donc, c'est pour moi, je lui ai expliqué pourquoi il pense qu'il est un peu bizarre là. Donc, il a vu que ce qu'il disait c'était vrai, il ne met pas de autre chose, on a qu'à changer de sujet. Bon, on a changé de sujet, bref. Donc, vous voyez, à la salle d'entrée de travailler, il travaille toujours, continue de travailler. Ce qu'il fait, c'est bien pour la Côte d'Ivoire.
Tout ça là, embellir, c'est pour, comment dirais-je là même, on a cette opportunité de voir comment le pays se développe. Quand on parle de pays, c'est pour nous. Même si quelqu'un me vient investir, d'autres disent que oui, l'euro, à un moment on dit oui, l'euro a acheté côté la Guinée, oui, Alassane a vendu au roi, comme ça, c'est oui, un étranger. Il a réalisé des trucs là-bas. Même quand un étranger réalise des trucs dans ton pays, là, faut dire Dieu merci. Faut dire Dieu merci que l'étranger a dépassé. Lui, mais il a laissé son pays, il est venu réaliser des trucs chez moi, dans mon pays. Je suis content. Et c'est mes frères qui vont aller travailler là-bas. Je suis content. Mais vous, c'est pas vos têtes. Pour vous, ce qui vous arrange pas. Vous voulez juste manger. Manger, oui, et on manque de manger. Le président nous a promis comme ça. Le président a fait comme ça. Alassane vous a promis quoi et puis n'a pas fait. Dites-nous ici. On dit oui, accouchement gratuit. Toi, tu vois, même en Chine, même ceux qui sont bien développés là, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui me suivent, sont aux États-Unis. Accouchement seulement là, si tu ne fais pas attention, tu as dépassé plus de combien de 1000 dollars. Si tu ne fais pas attention, tu peux dépasser même 25 000 dollars, mais si tu ne fais pas attention, accouchement là-bas, c'est cher. Vous pensez que quand on dit accouchement gratuit, c'est pour réduire les charges d'accouchement. C'est pour réduire. Mais on ne peut pas, quand on va vous dire que c'est pour réduire, vous allez dire que c'est autre chose. Sinon, c'est pour réduire, il n'y a pas d'hôpital gratuit. Les médecins même qui travaillent là, on les paye. Il n'y a jamais d'hôpital gratuit dans ce monde ici. Même les présidents, quand on s'en les soigner même là, quand ils sont malades là, eux-mêmes, malgré qu'ils sont présidents, mais les gars payent, ce n'est pas gratuit. Les médicaments là, les gars vont payer. D'autres sont, non, hôpital gratuit, oui, on fait comme ça, tant de babou, ouais, cacao était comme ça. Est-ce que tant de babou là, est-ce que les routes, ce qui a dû entrer développer là, est-ce que babou a fait ça? Est-ce que babou a fait ça? Si babou avait fait les routes là, où Ado était en place là, Ado pouvait faire autre chose. Il pouvait faire autre chose. Et lui qui va venir encore là, il fait autre chose. C'est ça qu'on dit développement. Et ainsi d'ainsi. Mais Babo, lui, il a fait quoi? Babo nous a donné juste la facilité. C'est la facilité qu'il nous a montré. Allez, tu as vendu prix de cacao, c'était comme 1100. Tu prends tes 1100, là, 1 kilo, tu finis là. Si tu es au village, tu payes Bangui, tu bois, tu payes 1 kilo de riz, tu manges, ton yinègue, c'est fini, ton ventre est rempli, c'est fini. Et maintenant, le pays est dans le chaos. Les gars souffrent. Le développement, il n'y a pas quelqu'un qui va venir investir dans ton pays. Tout est bloqué. Parce que toi, quand tu es mangé, tu n'as rien à faire. Et c'est toi maintenant, tu vois à la télé, on dit ici, ici, ici. Et maintenant, quand on arrange à Abidjan, chez toi, on n'arrange plus là, dans ta ville. Là, tu dis non, que oui, le gouvernement ne travaille pas. Maintenant, quand le gouvernement travaille, tu dis non, tu as fait. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Vous les Ivoiriens, vous voulez quoi? Même ceux-mêmes qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'aventure, c'est eux-mêmes qui pourraient vous conseiller. C'est eux qui ont toujours la bonne connexion de vous parler. C'est eux qui pourraient vous conseiller. Ah, mes frères et sœurs, franchement, où nous sommes ici, dans les pays développés, là, voici comment les gars marchent. Voici comment on doit faire pour que le pays puisse être développé à 100%. Mais eux, ce n'est pas ça. Et ils viennent ici des réseaux sociaux. Si ce n'est pas insulter maman des gens, si ce n'est pas critiquer telle personne, si ce n'est pas pour dire non que oui, toi tu es vilain, toi tu es comme ça, toi tu ressembles à pneu Michelin, toi tu ressembles à c'est toi caniche fait ici, etc., etc. Vous rencontrez, eux rencontrent que les n'importe quoi, et puis vous les suivez. Et puis vous les suivez, et puis vous êtes content. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous suivez quelqu'un, quand moi je suis quelqu'un, c'est que la personne que je suis là, il va me dans sa vidéo, il y a quelque chose que je vais apprendre. C'est à travers ce que je vais apprendre, je vais m'asseoir, je vais analyser et voir si vraiment il peut développer ça. C'est comme ça, moi, je suis. C'est pour cela que j'aime pas regarder tout le monde comme ça. Même les blogueurs, même là, moi, pour dire, ouais, je vais aller m'amuser, je vais rire un peu. Non, moi, je n'ai pas le temps des blogueurs, ceux qui insultent.
matin, midi, soir, maman des gens, mais jusqu'à la lesbienne, elles se jouent aux garçons, elles font des trucs, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes suivi, vous avez, ou soit c'est parce que vos pages ont été monétisées que eux font des conneries et vous venez les regarder, vous leur donnez de l'argent, même pour dire non, que chaque combien d'années ou quoi, ils vont faire au moins ça, ils vont vous aider aussi à payer vos connexions, il n'y en a pas. Vous leur donnez de l'argent et eux passent leur temps à insulter, vous êtes content. C'est parce que dans la tête, vous êtes vraiment bourré. Je ne vous insulte pas, mais quand même, vous êtes bourré. Ceux qui sont regardés, tous ceux sont vraiment bourrés. Parce que là-bas, ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien. Quand on dit le développement, tout ça, là, ça commence le développement. C'est ce que papa doit entrer de faire, là. Ça, là, c'est elle, là. Nous-mêmes, on doit faire quoi? À nous de travailler. Quand on dit travailler, ce n'est pas uniquement pour aller dans les bureaux. Ce n'est pas uniquement aller travailler dans la fonction publique. Non. Je suis menuisier, j'ai fait ma chose. Je suis professionnel. Il y a des clients même. Il y a des clients qui vont m'appeler parce que je suis fort. J'aime mon métier. Je ne peux pas chômer. Je suis mécano. Il y a des gens qui vont m'appeler. Même dans ça, dans les ministres, même, ils vont dire... Ah, tel, bon, l'ami des ministres me dit, ah, il connaît tel jeune, il est bon hein, dans mécano. Ah, c'est qui? Ah, donne-moi son numéro, à moi, ma voiture en panne. Là. Bon, je vais l'appeler. Vous savez qu'il y a en Afrique, là, surtout. En Afrique, il n'a pas fait dire, lui, là, il est mécano de BM, spécialement BM. Lui, là, il est mécano de Mercedes. Lui, là, il est mécano de Peugeot. Non. Nous, on est toujours polyvalent. Tu as Mercedes, la personne répare. BM, la personne répare. N'importe type de marque, tu envoies. S'il a la capacité, lui, il répare. C'est ça qu'on appelle le don. Souvent, on ne fait même pas école pour ça. On vient apprendre comme ça et puis ça vient à nous. Nous les Noirs, nous sommes comme ça. C'est pour cela que les Blancs, eux-mêmes, n'arrivent pas à nous localiser mais pour dire qu'ils vont mettre la main sur nous. Parce que le don que Dieu nous a donné, là, c'est trop. C'est parce que nous-mêmes, on s'est négligé. Nous-mêmes, tu vois, ton frère noir, tu le détestes jusqu'à... Tu ne sais même pas, mais il t'a fait quoi. Si on dit qu'il faut le tuer tout à l'heure, là, même si on ne te donne pas l'argent, tu le tues parce qu'il t'énerve, il t'a fait quoi. C'est ça. Donc quand quelqu'un travaille, nous-mêmes on peut travailler aussi pour soutenir au moins le gouvernement, c'est là. Vous ne pouvez pas être à la maison, tu ouvres ta bouche et puis maintenant, c'est comme demain, on a un commun et puis on vient, on met un peu dans ta bouche. Mais c'est ça où vous voulez. Que le président n'a qu'à faire ça, le gouvernement n'a qu'à faire ça. Non. Vous voyez les poussins là. Les poussins, c'est 250. Souvent, quand tu t'en fais même où on vend là, tu peux acheter ça à 200 francs. Ivograin, même si tu n'as pas le moyen de Ivograin, je vais te montrer une stratégie. Vous voyez, poudre de maïs. Les poulets mangent aussi. De maïs, tu peux mettre un peu de sel et tu peux mettre autre chose dedans encore. Je peux pas trop dire les ingrédients parce que j'ai mon ami, tu fais ça. Moi, mon ami, lui, il fait ça, mais par où est-ce que vous connaissez par mois, il gagne combien? Par année, est-ce que vous savez ce qu'il gagne? Mais lui, il a commencé petit à petit. Il a payé combien? Et puis, lui-même, il n'a pas payé les poussins africains. Non, c'est pour les blancs qui grossissent bêtement. C'est si ça, il a commencé. Au village. C'est si ça, lui, il a commencé. La dernière fois, il lui a dit, mais il dit, tu as commencé ici comme? Il dit, 2000 francs. 200 CN. Et lui-même, là, il sait fabriquer des petits trucs pour que les poussins puissent manger. C'est au village. Il a fait sa cage. Il a mis les poussins là-dedans. 2000. Mais aujourd'hui, le gars, quand il compte là, c'est des centaines d'abord. Il dit au moins ça par année. Chaque année, il peut gagner 1 million, 2 millions. Quelqu'un qui n'a pas, même pas quoi faire 2 ans. Or, il est au village. C'est comme ça. Et lui, là, comme ça, tu vois. Est-ce que si Dieu vient à Abidjan, il va te dire, mais il faut quoi à Abidjan? Soit c'est pour aller passer vacances. Ou soit tu vas dire, viens à l'aventure. Il va te dire, à l'aventure, il y a quoi dedans? Et tu vas l'expliquer, tu vas te dire, mais là, je vais aller gagner là-bas. Ici, j'ai gagné ça déjà. Et puis, je suis au village, je suis tranquille. J'envie personne, personne m'envie. Mais est-ce que ça, là, c'est pas une bonne chose?
Lui, là, comme cela, là, s'il trouve quelqu'un, tu veux l'aider, il va voir, oui, le petit, là, franchement, lui, il va lui demander, mais tu as fait comment? Il va l'expliquer. C'est moi, mais j'ai fait ça, là. Quand c'est comme ça, l'État peut l'aider. L'État, eux, ils ont confiance en lui pour dire, lui, là, franchement, lui, ben, il veut travailler. On va l'aider. Si c'est pour investir, ils vont investir tôt ou tard. Même l'État, même le gouvernement peut retirer ça. Mais bénéfice, ça, c'est lui, tu prends. C'est comme ça, on dit, quelqu'un, tu veux travailler, c'est comme ça. Mais vous, vous êtes à la maison, vous attendez, papa, maman n'a qu'à préparer, tu finis de manger, tu finis de rôter, oh, tu t'en bois ta bière, on t'appelle pour aller boire ta bière, tu finis, tu t'en sortir les filles, les petites filles là, et encore, tu viens dormir, promador, manger, dormir, c'est fini. C'est ton rôle, c'est là. Et avec ça, c'est toi, tu ouvres ton gros ventre, avec ta large bouche pour dire non que oui, le président ne travaille pas. Est-ce que ce que vous voyez là, c'est quoi? Vous allez dire non que c'est montage encore. C'est ça, vous allez me dire que c'est montage. Pour tout ce que vous voyez là, tout est montage. Ce qu'Alassane fait dans vos villes, vous, ça ne vous arrange pas. C'est dit dans vos villes pour vos pays. Parce que quand tu vois, même si tu as quelque part, même si un étranger vient, tu dis pays, ça là, c'est pour moi. C'est mon pays. C'est comme ça. Donc, franchement, j'aimerais dire aux gens que ceux qui sont vraiment à l'aventure, le Prado travaille pour le pays. Dans ma vie, vous voyez l'Europe là-bas, et vous êtes à l'étranger, vous voyez le pays à quel vous êtes là, le pays est développé. Là. La même chose, dans ma vie, le pays est développé, c'est comme ça. Elle doit entrer et développer, surtout la Côte d'Ivoire. Il n'est pas focalisé sur la Côte d'Ivoire. Même Aldo peut s'élever comme ça, il va dire, bon, il est meilleur où ça, numéro cro. Il va aller rester là-bas. Il construit palais là-bas. Et là-bas, il va, tellement qu'il va rendre ça Abidjan, plus qu'à Abidjan. Parce que lui, on sait que c'est un travailleur. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour notre pays. Donc, franchement, Papa Aldo, merci beaucoup de tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu même met la main sur toi pour que tout ce que tu touches puisse se réussir dans ta vie et que Dieu te donne longue vie. Merci. Et on prie Dieu 2025. Mais si tu n'es plus là, lui, tu vas venir pour qu'il puisse vraiment aussi bien travailler. Pour qu'on puisse, moi, comme ça, moi, je vais le suivre parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille pour mon pays. Je ne suis pas quelqu'un parce que lui, là, il est de l'ouest, lui, là, il est du sud, lui, là, il est tant de l'est. Lui, non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Pour dire oui, je suis Baoulé, je dois suivre Bédier, ce qui Bédier fait est normal. Je suis Bété, ce qui Babou fait est normal, je dois le suivre. Mais s'il chie même là, c'est pas bon, il doit dire c'est bon. Non. Moi, je lutte pour mon pays, je ne lutte pas pour moi-même. Nous, on est juste des passages. Tu meurs là, ton film est fini, mais le pays reste. Et nos petits-enfants qui vont venir, eux vont faire quoi? Ils vont dire les vieux cons là, ceux mêmes qui sont venus au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ou ciment, où tout était moins cher, mais eux n'ont rien fait. Maintenant, où tout est devenu cher, là, c'est là que d'autres, ceux-là, veulent travailler, quoi. C'est coloré. Il est temps de réaliser. C'est comme des gens, une fois qu'eux gagnent leur boulot, premier salaire, là, ils doivent prendre pour aller partager ça à sa famille, pour dire, lui, il a travaillé. Et lui, là, il a eu son concours, il est sorti. Il doit partager à ses amis, il doit partager à sa famille. Or, le premier salaire, c'est ça qu'on prend pour réaliser. Si tu as raté le premier salaire, c'est que tu as tout gâté. C'est comme ça la vie. C'est comme cela la vie. D'autres ne savent pas. Premier salaire, même si c'est 2 millions qu'ils t'ont donné, prends ces 2 millions. Prends ces 2 millions qu'ils t'ont donné. Mets ça sur le compte et puis tu bloques. On te demande, tu dis tu n'as rien gagné d'abord. Rappelle-moi que tu n'as rien eu d'abord. Ou tu peux mentir, tu divises ça en 4. Petit moitié, tu dis c'est ça là, il y a eu tellement de dépenses, c'est ça là, j'ai eu. Et vous allez bouffer. Un peu, le reste, tu mets ça sur ton compte. C'est ton avenir, tu as préparé comme ça. Mais d'autres, c'est pas ça. D'autres, eux, ils vont aller faire la Java pour dire aux gens que lui, c'est maintenant, il va bouffer l'un de l'État. Et c'est comme ça qu'il va faire. Ou il va se rendre compte là, où on te dit, il reste 3 ans. C'est là, il va se rappeler que lui veut réaliser maintenant, construire une petite maison, rester avec sa famille là-bas. Il est déjà trop tard. Maintenant, s'ils ont la retraite, c'est lui encore, tu vois, le gouvernement là. Mais tu as fait quoi de bon? Rien. Tu as fait quoi de bon? Rien. Si ce n'était pas aller chercher les petites filles, tes hommes et tes petits, les enfants que tu peux les mettre au monde, tu cours derrière eux comme ça. Oh, tu laisses ta femme.
Donc c'est le truc, n'y mettez pas ce gouvernement. Si le gouvernement travaille, encouragez ce gouvernement pour que les gars puissent avoir la volonté et le courage de bien travailler pour le pays. C'est comme ça. Donc merci beaucoup, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur mon Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, sur les quatre plateformes, vous pouvez me trouver là-bas. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi m'appeler sur WhatsApp et on peut échanger. Le vendredi dans l'après-midi, franchement, je vais commencer à faire des directs. Et je vais laisser un numéro où vous pouvez appeler directement pour que on va échanger des questions et vous allez répondre. Voilà, donc je suis pas, et les questions aussi sont pas toujours basées sur politique, non. On va parler de la vie, comment aider la jeunesse à devenir quelqu'un, à évoluer, à faire tel truc. Ne comptez pas sur les parents sont fatigués. Maintenant c'est les parents qui doivent compter sur la jeunesse, parce que eux les temps déjà passé. C'est la jeunesse maintenant, tu dois prendre le relais pour que les gars puissent aider leur famille. C'est ça, c'est cette solution là, c'est ça, on doit donner ça à la jeunesse, comme nous et comme les autres qui sont au pays et comme des gens aussi qui sont à l'aventure. C'est ça on veut. Mais moi je ne suis pas là pour dire uniquement je vais parler des politiques, je vais faire à talakou de telle personne, je vais faire ça. Non, moi j'ai dit ce que je pense. Si c'est que moi je pense, si vraiment ça t'a touché, ou si tu penses que, ou soit ce qu'il a dit c'est faux aussi, tu peux laisser les commentaires. Voilà, si c'est vrai aussi, tu peux laisser les commentaires. Le seul encouragement que je veux, c'est juste partager mes vidéos et encore liker et encore commenter, etc. etc. Abonnez-vous aussi. Voilà, abonnez-vous sur ma page Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, tout ça là. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est encore moi aussi, Bejo.